Coucou à toutes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer ma commande de chez Colourpop. Je l'ai reçue ce matin, j'avais prévu de vous faire une vidéo mais c'était pas du tout celle-ci. Et finalement, voilà, j'ai reçu ma commande Colourpop aujourd'hui. Malheureusement j'ai eu des frais de douane mais voilà, je suis ravie. Vous voyez un petit peu tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a deux produits que je vais pas vous montrer parce que ce n'est pas pour moi. Mais je suis vraiment super contente de l'avoir reçue, c'était vraiment une commande que j'attendais avec impatience. Donc pour celles qui connaissent Colourpop, c'est une marque américaine qui ne se trouve absolument pas en France. Ou d'après ce que j'ai compris, il y a une boutique sur Paris qui en vendrait. Mais sinon voilà, c'est très compliqué de pouvoir avoir ces produits-là. Du coup j'ai passé directement commande sur le site américain, donc en sachant qu'ils ne livrent pas en France. Alors vous avez différentes façons de pouvoir commander aux États-Unis, Shipito, enfin vous avez pas mal de plateformes comme ça qui proposent leur service pour vous renvoyer donc vos colis chez vous, sauf que moi Shipito, tous ces trucs là, enfin voilà, j'en ai vu des avis positifs autant que négatifs et c'est pas trop mon truc. Pour le moment j'ai pas envie de me mouiller avec Shipito, j'ai trop peur d'avoir des frais exorbitants etc. Du coup j'ai fouiné un petit peu et j'ai trouvé une autre solution pour pouvoir commander aux États-Unis. Donc là c'est Colourpop mais vous pouvez commander sur n'importe quel site aux États-Unis. Tout simplement en fait une jeune femme qui s'appelle Jessica, je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos, qui est donc une jeune française qui est partie vivre aux États-Unis et qui tout simplement se propose, et c'en est devenu son métier il me semble à l'heure d'aujourd'hui, de recevoir vos colis des États-Unis pour après ensuite vous les renvoyer chez vous. Donc ça je trouve ça génial et j'étais beaucoup plus emballée et beaucoup plus on va dire sereine à faire comme ça. En plus de ça j'ai un échange direct avec elle sur Facebook, s'il y a un pépin vous pouvez lui parler, enfin... Voilà, je trouvais vraiment le concept génial. Du coup, moi, j'ai passé directement commande sur Colourpop. J'ai tout simplement entré les coordonnées postales de Jessica. Jessica, une fois qu'elle a reçu ma commande, elle m'a juste envoyé une photo en me disant qu'elle avait bien reçu la commande Colourpop et me l'a directement renvoyée. Alors, ça a mis pas mal de temps, très franchement, entre la commande, entre le jour où j'ai commandé et le jour où Jessica l'a reçu. Ça a mis vraiment pas mal de temps. Ça a mis plus d'une semaine, voire même 15 jours. Ça a mis vraiment pas mal de temps. Voilà, ils devaient sûrement avoir pas mal de commandes sur Colourpop, du coup ça, voilà, ça a rallongé un petit peu, donc déjà j'ai perdu une semaine à cause de ça. Et ensuite Jessica me l'a renvoyé, ça a mis à peu près 15 jours. Donc en gros j'ai attendu à peu près un mois pour recevoir ma commande, mais vraiment parce que déjà l'expédition du site au domicile de Jessica a mis quand même pas mal de temps. Pour ce qui est des frais de livraison, donc il faut savoir que Colourpop, les frais de port sont gratuits, bien sûr sur l'adresse américaine. Moi j'en ai eu pour 70 €, à savoir que j'en ai eu pour 29 € et quelques pour que Jessica me le renvoie. Donc en sachant que bien sûr il y a le prix des 29 €, il y a compris dedans donc les frais d'envoi et aussi une marge pour elle, parce que voilà, faut quand même qu'elle se fasse une marge dessus. Malheureusement j'ai également eu des frais de douane, c'est la première fois que j'en ai, donc j'ai un petit peu les boules, mais bon je m'en doutais un petit peu puisque j'ai eu quand même plus de 60 € pour cette commande là. Il faudrait, voilà, pas dépasser 60 €, donc après c'est des on-dit, je ne sais pas, c'est au petit bonheur dans la chance. J'ai déjà commandé sur Lamcrime par exemple où il y en a qui ont déjà eu des frais de douane alors qu'elles ont eu que 20 €, et moi j'ai déjà passé des commandes de 70 €, j'ai pas eu de frais de douane, donc je pense que c'est vraiment au petit bonheur la chance. Mais voilà, le facteur est venu tout à l'heure en me disant que j'ai 25 € et 18 centimes de frais de douane, donc c'est pas excessif, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal aux fesses. Bref, donc maintenant on va passer à ce que j'ai commandé. J'avais vraiment qu'une hâte de pouvoir vous montrer les produits et pouvoir les utiliser, parce que Colourpop est vraiment une marque que j'entends beaucoup parler sur la toile et je voulais absolument la tester. Donc je vais commencer par les rouges à lèvres parce que j'en ai pas beaucoup, après je vous montrerai les ombres à paupières. Donc déjà je me suis pris deux rouges à lèvres en stick comme ça. Donc le premier c'est le Lady, donc j'ai pris uniquement des teintes mates parce que c'est ce que j'aime porter en ce moment. Donc au niveau du packaging, voilà comment il se présente. C'est trop mignon, c'est blanc. Vous avez marqué Colourpop Lipstick et c'est en argenté un peu style essence, vous voyez un peu toutes les couleurs. Derrière vous avez la référence de la couleur. Et c'est tout simplement une sorte de bordeaux assez foncé. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime porter. J'essaierai de vous faire des close-up. C'est très crémeux. Franchement, j'aime beaucoup la texture. Et voilà, au niveau de la couleur, comment elle se présente. C'est une très jolie couleur. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Ça me fait un petit peu penser à l'odeur que les rouges à lèvres MAC peuvent avoir. Ça me fait penser à ça. Mais voilà, au niveau de la couleur, c'est super crémeux. Je pense pas que ça devrait être quelque chose de assez chaud. A voir après, voilà, comme je dis, je viens de le recevoir donc j'ai pas eu le temps de les tester, mais franchement je suis ravie de les avoir reçus. Ensuite le petit deuxième c'est le compte en pot. Alors celui-ci
C'est une sorte de rose, je crois. Ouais, une sorte de nude en fait. C'est toujours pareil hein, dans les tons, enfin dans les en mat. J'ai vraiment pris que des mats. Pareil, il est ultra crémeux. Donc celui-ci, c'est plus un bois de rose en fait. Enfin, je pense que vous voyez très très bien. Franchement, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à redire. Je pense que vous voyez très très bien de là comment la pigmentation est. C'est une très 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 jolie couleur. Les couleurs sont assez conformes à ce que j'ai pu voir sur le site. Donc ça remonte un petit peu, mais il me semble bien que c'est vraiment ces couleurs-là que j'avais vues. Pour terminer avec les rouges à lèvres, le petit dernier, donc là c'est un liquide lipstick mat. Et au niveau de la teinte, c'est le More Better. Il y en avait beaucoup qui me plaisaient. Mais j'ai vu des avis positifs, autant négatifs sur les rouges à lèvres de chez Colourpop. Du coup, je me suis dit que j'allais en tester un ou deux, voire trois. Enfin, j'en ai pris trois. Et je repasserai commande s'il faut un peu plus tard. Donc pareil, au niveau du packaging, voilà comment il se présente, c'est super mignon. J'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est vraiment une couleur framboise. Il y en avait beaucoup qui me plaisaient, franchement, au niveau couleur. Mais voilà, j'ai fait mon choix. Et bon. Par contre, au niveau de la texture, j'ai l'impression que c'est un petit peu sec. Donc, il est ultra pigmenté. Sur ça, il n'y a rien à redire. Il est ici. Mais j'ai l'impression que quand je l'ai appliqué, en fait, sur la main, que c'est un petit peu rêche, en fait. Après, à voir sur les lèvres ce que ça va donner. Mais je pense que ça sera un petit peu plus asséchant que les rouges à lèvres en stick. Donc, voilà pour les rouges à lèvres. Maintenant, on va passer aux ombres à paupières. C'est vraiment les produits qui m'intéressaient le plus sur le site. Ça m'avait l'air tellement pigmenté, tellement lumineux que j'ai craqué. Donc, au niveau du packaging, voilà comment ça se présente. C'est blanc et bleu. C'est marqué Super Choc. C'est trop mignon. Franchement, je ne pouvais même pas imaginer à quel point je suis trop contente d'avoir reçu ces produits. Donc, voilà au niveau du packaging, comment il se présente. C'est dans une boîte blanche. Ça me fait penser un petit peu à les packagings un peu genre de schéma, bon c'est pas tout à fait pareil mais ça me fait un petit peu penser à ça. Au niveau de la teinte, celui-ci c'est le Nillionaire. Je pense que vous voyez très très bien la luminosité qu'il a, il est magnifique. Alors au niveau de la texture, c'est très 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 bizarre en fait. Oh là là, la pigmentation. Il est magnifique, je sais pas si vous voyez. Au niveau de la texture, c'est quelque chose de assez velouté en fait. On dirait qu'on touche du velours. C'est poudreux, c'est pas un fard crème. On voit bien que c'est un fard en poudre, mais c'est vraiment velouté, c'est doux. C'est la première fois que je touche à un fard aussi doux, c'est super, super bizarre. Ensuite, le deuxième, c'est le Lovely, et celui-ci, c'est une sorte de champagne. Magnifique, il est trop beau. La texture, franchement, c'est super bizarre. Pareil, encore une fois, ultra pigmenté. Il est ici. Il est très 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 joli. Ça je pense en coin de lumière ou même sur une paupière mobile, ça peut faire vraiment très 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 joli. Ensuite, je me suis prise le I Love Tease. Celui-ci c'est une sorte de champagne mais qui tire un petit peu plus sur le marron un peu grisâtre. Je sais pas, franchement je sais pas si vous verrez grand chose de là. Et il est magnifique aussi. Par contre celui-ci est un petit peu moins, enfin quoique. Il est pigmenté mais c'est une couleur un petit peu plus proche de ma peau donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais pareil, une très 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 jolie pigmentation. Ils ont de très 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 jolis, comment dire ça. Ils ont de très beaux reflets en fait. C'est super pigmenté, j'aime trop. C'est vraiment pas le genre de couleur que l'on peut retrouver partout quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu commander sur Colourpop. Et puis c'est de très jolies couleurs qu'on ne peut pas forcément retrouver partout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu commander sur Colourpop. Et puis les couleurs avaient juste l'air dingue. Et encore, je me suis calmée un peu parce qu'il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient. Ensuite, celui-ci, c'est le Winnie. Celui-ci était vraiment un fard que je voulais absolument. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup porter. En plus, ça va très très bien avec ma couleur de yeux. C'est une sorte de cuivré en fait. Il est trop... Il est magnifique, il est ici. Il est trop beau. Je suis trop contente. Il est très joli. Ça, sur une paupière mobile, franchement, ça peut faire vraiment canon. Pour cet été, je pense que je vais m'éclater avec ces fards-là. Ensuite, j'ai le Capote Sunset Belvedere. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. C'est une sorte de cuivré, mais qui tire un petit peu plus sur le camel. Pareil, qui avait l'air juste trop beau. Enfin, toutes les couleurs avaient l'air juste trop belles, de toute façon. Donc... c'est assez dur de faire son choix. Il est ici. Il est trop beau. Il est trop 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 joli. Je suis trop contente. C'est une très jolie couleur aussi. Franchement, pour le moment, j'ai rien à redire. Toutes les couleurs me plaisent. Ensuite, j'ai le So Quiche, qui est celui-ci, une couleur dans les tons marron, mais assez foncé quand même.
Il est encore marron. Ça dépend dans quel angle on le voit. Quand on le regarde de face, il est assez marron, mais quand on le regarde de profil, il a quand même des touches un peu style couleur olive. Trop beau. Il est très 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 joli aussi. Il est juste ici. Ça, pareil, pour faire un smoky noir, vous mettez ça par-dessus le noir. Je pense que ça peut faire très beau. Ça fera ressortir en plus la couleur. Et la texture, je vous jure, elle est très spéciale. À chaque fois que je voyais des vidéos des filles qui parlaient des fards Colourpop, que la texture était assez spéciale, bah, je vous confirme, c'est vraiment très 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 crémeux. C'est vraiment super agréable. C'est le Lala. Alors, je l'avais regardé en swatch et apparemment, il était super lumineux. Il était très joli, donc à la caméra, peut-être que vous croirez que certains fards se ressemblent, mais franchement, pas du tout. Oh mon dieu. Je crois que celui-ci, un de mes préférés. Je sais pas si vous voyez, il est ici. Il est trop trop beau. C'est une sorte un peu de corail cuivré. Juste magnifique. Ça apparaît sur des yeux bleus, ça peut faire trop 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 joli. Ensuite, j'ai le sequin. Alors celui-ci, je le voulais absolument. C'est d'ailleurs ce fard-là qui m'a donné réellement envie en fait de commander sur le site Colourpop. Il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient, mais celui-ci en particulier, que je trouvais trop joli. Et pareil, c'est des couleurs comme ça qui vont très très bien aux yeux bleus. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Et il est ici. Il est magnifique. Alors il est un petit peu ressemblant à celui que je viens de vous montrer. Sauf que celui de tout à l'heure est un petit peu plus dans les tons corail. Que celui-ci est un petit peu plus dans les tons, on va dire, vraiment cuivré, vous voyez, un peu brique. Donc c'est pas encore tout à fait les mêmes nuances. Mais je crois que celui-ci, je vais énormément le porter. Et pour terminer avec cette commande, le petit dernier. Alors, celui-ci, c'est lequel? C'est le Kathleen Light. Alors pareil, c'était un fard qui me plaisait beaucoup. Il avait l'air très lumineux. De toute façon, pour réellement faire mon choix, parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient, j'ai vraiment regardé tous les swatchs sur internet. Pour vraiment avoir un aspect visuel en fait. Pour pouvoir vraiment faire mon choix. Il est trop beau. Ça c'est une sorte de, pareil, de doré un peu gold. Je l'ai fait super mal. Il est juste ici. Il est trop trop joli. Il est magnifique. Ça pour cet été, pareil sur des yeux bleus, ça fera trop joli. Bon après je dis sur les yeux bleus bien sûr que voilà, ça peut aller vraiment à toutes les couleurs d'iris hein, sans aucun souci. Mais c'est vrai que quand on a des yeux bleus, quand on met des couleurs comme ça, c'est trop joli. Je sais pas si vous voyez la pigmentation des fards. Ils sont juste trop jolis. Ils sont trop trop beaux. Je suis trop contente. Ils sont magnifiques. Bah écoutez, voilà pour ma commande Colourpop. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous faire découvrir bah, de nouvelles teintes, de nouvelles couleurs. Je pense que la marque, vous la connaissez depuis pas mal de temps maintenant. C'est quand même une marque qui se fait connaître de plus en plus et qui donne vraiment, franchement, envie depuis pas mal de temps. Moi, je voulais absolument les tester et c'est vrai que j'avais vraiment une hantise de commander sur Shipito et tout ça. Et dès que j'ai vu bah, que je pouvais avoir moyen de commander en passant par Leslie, j'ai vraiment sauté le cap. Je vous invite vraiment à contacter Leslie si vous voulez avoir un peu plus de renseignements avant de vous lancer. Si vous aussi, comme moi, vous n'avez pas envie de passer par Shipito et que vous voulez vous procurer bah, des produits américains, que ce soit Colourpop ou d'autres marques. Voilà, je vous invite vraiment à la contacter. Je suis vraiment ravie de les avoir reçus. De toute façon, je pense que voilà, je vous en reparlerai très très vite. Je vous ferai des tutos make-up si vous souhaitez. Et je pense que je vous ferai des petites revues quand j'aurai d'autres produits. Je ne vais pas commander maintenant parce que là, j'attends d'autres commandes. Donc... Mais voilà, je suis vraiment super 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 contente. Bon après, voilà, j'ai eu des frais de douane. Ça arrive, malheureusement, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais bon, c'est que 25 euros, c'est pas la fin du monde. Les packagings sont trop mignons. Les couleurs sont ultra 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 pigmentées comme vous avez pu le voir. C'est vraiment des couleurs qu'on ne voit pas partout et ça j'adore. Franchement je suis vraiment ravie, j'avais qu'une hâte de le recevoir et de vous en parler. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des couleurs. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!